Nous à sous plateau Espérance TV et c'est puis plaisir nous venir pour animer émission ta la anti-causé. M'a saluer Gratien qui là, Gratien bienvenue. Merci, bienvenue pour vous aussi. On est profité pour moi faire un grand coucou en liant la tête pour tout le monde qui a regardé, qui a écouté l'émission, parce que l'émission a passé en l'air, la radio aussi, qui a regardé, qui a écouté tous les internautes. Donc, on a dit merci pour fidélité des autres, et puis nous avons parti pour nous commencer un nouveau trimestre épisode. Qui bon Dieu bénit tout le monde. Merci amplement les saluer les techniciens qui là, Maud, Serge et puis Loïc. Bon pas. Et sans plaisir pour travailler pour vous. En tout cas, nous mettons et programme talent dans mes bon Dieu et nous allons saluer tous les gens et puis tout le monde qui a regardé et puis écouté émission talent. Oui, anti-causé. Gratien, nous quitter Hébreu pour nous prendre le départ. Le départ, le livre de la Genèse. Avant de nous faire pièce commentaire, priez pour nous commencer. Papa Dieu. Donc, on remercie pour l'occasion ou nous pour nous pencher comme nous dans les révélations paroles. S'il vous plaît, nous commandons, pardonnez-nous et accordez-nous l'Esprit Saint pour qu'ensemble nous puissions trouver des points, trouver des enseignements qui peuvent aider nous à dans la vie, pour grandir, pour nous rester en royaume-là et persévérer jusqu'au bout. Bénis tout le monde qui a regardé l'émission, hein, tout ça qui a écouté, et que gloire ou transparente en nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous avons parlé de la création. Et ce livre Genèse-là, c'est lui qui a donné toute information concernant la création. Alors, Gratien, nous ne pouvons pas commencer ce livre-là si ou pas de nous, qui est l'auteur du livre-là. Et qui côté écrit livre Tala, qui côté prend connaissance Tala, et puis qui ça, Genèse, qu'a signifié? Le livre de la création, c'est Genèse, c'est le livre des commencements. Là, nous avons fait un grand bond pour nous parler du commencement, comment y a la vie paraît. Hein? Qui monde qui fait la vie, qui monde qui crée nous, qui manière l'univers constitué quoi. Eh bien, donc. Livre Tala, écrit par Moïse, il a fait partie des cinq livres, et Moïse écrit, maintenant, et les savants, qui a dit nous, ça, sur une période de, au 15e siècle, et dans le désert de Madian, qu'il rédigeait ce qui là, ces textes-là. Donc, il a parlé de la création de nos origines. D'accord. Quelle manière un homme comme Moïse peut prendre connaissance d'un monde éthique qui, même pour côté, qui a existé? Eh bien, donc, c'est là que nous avons la puissance de Dieu qui est créateur. C'est lui qui révélait Moïse ça. Parce que Jésus, là, il passait en la terre, il dit nous, le Saint-Esprit bon Dieu, maintenant, quand il enseigne nous, il rappelle nous tout ça qui était fait dès le commencement, et c'est lui qui a convaincu et puis corrigé nous. Eh bien, donc, bon Dieu fait l'Esprit reposer en l'air Moïse qui était serviteur lui. Et puis, c'est lui qui rédigeait les cinq premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, le Nombre et le Deutéronome. D'accord. Nous avons dit dans le livre Genèse, là, oui. Là nous avons grandeur bon Dieu, nous avons l'amour bon Dieu, nous avons grâce bon Dieu. En un mot, nous pouvons dire comme quoi, là encore, la année en bonne nouvelle qui a annoncé. Ah oui. Alors, et Dieu et la création. Alors, les. Et au psaume 100, verset 1 à 3, Gratien, qui ça ou peut dire des réactions des humains et Pucci? Est-ce qu'il y a une relation entre réaction des hommes par rapport à Genèse 1, verset 1? Alors, texte-là qui dit nous, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Ce texte-là, qui a venu en lien exact, et puis Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis Genèse 2, qui a dit nous que
Enfin, ça Moïse rappelle nous en premier chapitre là, maintenant il a trouvé conclusion en deuxième chapitre là, et si et mon Dieu organisé, créé, planifié tout bagaille, c'est lui qui l'auteur la vie. Oui, alors par exemple les psalmistes, hein, le psalmiste qui a écrit, il a mis l'adoration au cœur de la création. Qu'est-ce qui incite Yoni en telle gratitude envers mon Dieu? Oui, parce que il a dit au chapitre, au verset 3, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Ensuite, il a invité, le reconnaître ça, à venir, à rentrer dans l'adoration pour adorer Dieu. Apporter des offrandes, entrer dans ses parvis. L'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, sa fidélité de génération en génération. En fait, Ika, maintenant, invitez-nous à une posture de révérence et puis d'adoration par rapport à sa bon Dieu et ça y fait. Oui, alors, ma kafan, bon, et en avant, nous avons vivre en arrière. Nous, jeudi jour, là, nous avons gardé la création malgré l'idée naturelle et les choses par au départ. Est-ce que nous avons trouvé quand même des sujets pour nous adorer bon Dieu et acclamer bon Dieu? Ah oui, mais c'est une merveille. Une idée, comment est-il là aller ou quoi? Penser ou bien qu'on parle jamais ouais en dit dans ce là ou quoi dire bon Dieu, ça c'est un bagage de qualité et c'est pour ça une idée côté mettez les sept merveilles du monde et tu as des choses des bâches grandioses. Maintenant la création but bon Dieu à travers la création c'est attirer le regard de l'homme maintenant non pas pour adorer la création mais pour adorer le créateur. C'est lui qui est à l'origine de la création. D'accord. Alors là où qu'a lit Genèse premier verset a, au commencement Dieu créa. Est-ce que en un mot là prend et verset là, il a éliminé toute thèse qui a dit comme quoi que la terre c'est sujet d'un bing bang en longue évolution tout cela. Est-ce que texte là qu'a croisé tout ça? Texte là qu'a croisé ça parce que texte là c'est lui qui est fondamental, c'est lui qui écrit, c'est à partir maintenant, dans ce texte-là, il a essayé d'écrire d'autres bagailles. Parce que, finalement, ça nous a dit que nous avons qu'il y a une deux puissances qui ont joué. La vérité, l'erreur, le bien et puis le mal. Maintenant, pour que Satan ait tiré l'esprit et puis la pratique, la croyance en dit de bon Dieu, il fait sortir toutes sortes de théories pour dire nous que ce n'est pas bon Dieu qui croyait, mais là, nous, l'intelligence humaine qui a cantillé et puis il a avancé que finalement, ce n'est pas un Dieu qui fait ça, mais c'est le produit d'une autre évolution. Maintenant, quittez-moi Dieu. Les grandes émissions passées à la télé où ils mettaient un concert de savants, maintenant, qui fait toute recherche pour toute proclamation, yo dit qu'il y a 34 milliards 400 millions d'années que Bagaïta l'a mette quoi en place. Et jodi, en 2014, yo dit jodi, nous vivons percer ce secret pour nous affirmer que c'est pas bon Dieu qui l'auteur la création. Donc en 2014, je t'ai fait déclaration. Yo t'ai fait déclaration là. Oui, yo alors. Yo pêche en panne couler tout bagay pour yo dit là, ça. Incontestable que c'est le Big Bang, c'est ça qui fait à l'origine au départ de la création. Et l'on a examiné toute bagaille, quoi, ouais, qu'en réalité, le but de Satan, le diable, c'est éliminer la pensée de Dieu dans l'esprit des humains. Et il a fait toute qualité de théorie et c'est pour en place. Et les hommes, des fois, ont resté piégés. Maintenant, Adam Genèse 1, il y a en répétition. Et des mots qui a viré souvent. Oui. Est-ce que vous notez ça? Et oui. Puis, alors, maintenant, Adam Genèse 1, le verset 4, il a dit Dieu vit que la lumière était bonne. Adam Genèse, même 1, verset 10, il a dit Dieu appela le secteur. Et ensuite, il a dit Dieu vit que cela était bon. Au verset 12, Dieu vit que cela était bon. Au verset 18 il a dit. Il a parlé de lumineur pour présider la nuit, etc. Il a dit, Dieu vit que cela était bon. Au verset 21, maintenant Dieu créa les gros poissons. Après, il a dit, Dieu vit que cela était bon. Au verset 25, il a dit, puis, verset 25, oui, il dit,
Dieu fit les animaux de la terre selon leur toujours espèce. Toujours Genèse 1. Oui, toujours Genèse 1, oui. Et après, à la fin, verset Yaïkadou, Dieu vit que cela était bon. Et ensuite, maintenant, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et au verset suivant, jusqu'au verset 31, il a parlé de l'homme, il créait à son image, il baille domination, il baille toute bagaille. Et au verset 31, il a dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon, il y eut un soir, un matin, ce fut donc le sixième jour. Toute bagaille, très bon en conclusion. C'est-à-dire, le bon Dieu considérait tout ça, il a fait. Au fur et à mesure, il a fait, c'est bon. Oui. C'est bon. Alors, motala ka signifie que le bon Dieu créé, tout ça il créé, te ka fonctionné très bien, c'est ça? Très bien, très bien. Il pas ni homme de variation, en didin, il pas ni raté, mais c'est un bagage extraordinaire. Donc, il a démontré que c'est puissance bon Dieu qui a soutenu la création, soutenu l'univers. Maintenant, il a fait un sac coûte l'épée à théorie qui dit que les choses qui ont venu d'une autre évolution, au fur et à mesure les années qui ont passé, la chose qui a amélioré, la terre qui a bien pris forme, les hommes qui ont bien pris forme, l'homme maintenant prêt à sortir l'œil parce qu'il se descend de la graine du singe, etc. Et c'est à présent, il est venu en être humain. Avant, il était comme machin, les quatre pattes, il était ni prêt à ceci, cela. Texte à la que tout ça, bon Dieu fait, était très bon, soir ou matin. Fut sixième jour terminé du achevé son œuvre. Oui. Alors, l'on a regardé le récit de la création. Oui. Est-ce qu'on peut dire, et attention, question, hein, est-ce qu'on peut dire en combien de temps la terre a existé? Et puis, est-ce que mon Dieu créé vraiment toute bagaille en 7 jours? On pose deux questions là. La réponse concernant la terre, c'est la terre qui a existé depuis le commencement. Donc, nous ne pouvons pas dater l'existence de la terre. Il parle de datation. D'accord. La Bible dit nous, la terre, au commencement. Ça, c'est la terre qui ça informe terre. Et vide. Voilà. Bien. Par contre, là, nous allons lire maintenant l'aménagement de la planète Terre. Ouais? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la Genèse 1, verset 2, l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, maintenant, nous avons ici, Dieu, maintenant, aménager la terre. Et moi, je lis ces versets, verset 4, verset 10, verset 12, verset 18, verset 21, verset 25, verset 31. Je lis tous ces versets-là, qui a montré comment la semaine créatrice mettait en place, et ça, mon Dieu frère, a donc toute semaine créatrice-là, et il clôturait œuvre maintenant par le sabbat. Alors, justement, qui m'a dit qu'on peut comprendre ici, que bon Dieu a fait en conclusion, et puis le sabbat. Oui, alors, donc maintenant, au verset 6, pardon, Genèse 1, verset 26. Le bon Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Voici donc le chef-d'œuvre de la création. Donc, c'est l'humain qui créait à l'image bon Dieu, l'homme et la femme. Ensuite, maintenant, Dieu baille les ordres. Et puis ensuite, Dieu vit que cela était très bon. Il y eut un matin, ce fut le sixième jour, et Dieu cessa son œuvre. Maintenant, le sabbat, le septième jour qui arrivait, pour rappeler nous que c'est un six jours. L'Éternel créait toutes choses. Septième jour, il reposait quoi? Genèse chapitre 2, qui a dit nous, ainsi fut achevé. Moïse, maintenant, qui a fait un rappel pour porter en conclusion à la semaine créatrice. Oui. Il a dit, ainsi fut achevé. Les cieux, la terre et toutes les armées, Dieu acheva son œuvre au septième jour de l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Il bénit le septième jour, la sanctifia, car en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite en la faisant. Donc, le repos ici pour bon Dieu, ce n'est pas en question d'état de fatigue. Non. Non, mais il arrêtait, puis il contemplait et création. Exact. Et puis pour pousser l'homme à adorer le Créateur, c'est oui, ça? Oui, ben c'est ça. Donc, c'est au moment-là, est-ce que le péché a existé? Non.
le péché peut exister. Deuxième question, Gratien. Oui. Est-ce que les Hébreux ont existé, le peuple Israël là? Jamais. Non. Là où bon Dieu fait cela, il a mis deux êtres humains en les latin. C'est-à-dire, bon, quand il a avancé en mot là, donc deux êtres humains, et puis, il était finalement cinq. Le Père, le Fils, et puis l'Esprit Saint. C'est donc, puisque l'ordre de mon Dieu dit, faisons l'homme à notre image, donc c'est un pluriel. Et lorsque nous regardons, nous voyons que Jésus a transparu dans la Genèse comme étant le Créateur. Et là, nous lisons toute la Bible, nous voyons que c'est finalement celui qui a dit, faisons l'homme à notre image, c'est Jésus. C'est bien Jésus. Le Père, oui. Le Fils, le Saint-Esprit. D'accord. Et alors, nous voyons que l'Esprit, pardon, c'est qu'à mouvoir au-dessus des eaux. Qui était où l'esprit, c'était formé, pétrifié. Donc, je vais dans les textes, et Genèse 2, verset 1 à 3, oui. Pour montrer qu'en réalité, tout argument que nous avons apporté pour dire comme quoi que le sabbat c'était pour le peuple juif, et le peuple juif par là, donc il abolit, il finit. Alors que nous avons les deux grandes institutions que bon Dieu mettait pour le bonheur de l'homme, c'est. Le mariage et puis le sabbat. Là, le péché, pourquoi intervient une pièce? Pièce. Donc, c'est important. Ces deux institutions, là, c'est pas ni pour le peuple juif, ni pour un peuple émancipé et autre, mais c'est l'humanité qui l'a. L'humanité est très important. Les premiers parents qui ont représenté Adam et puis Ève. Léa qui a couru en l'ennou. Alors, Pucci et sabbat lié à la création, est-ce que c'est important? Ah, mais ça lié à la création, et ça important. Parce que, maintenant, le sabbat a venu en conclusion des œuvres magnifiques de Dieu. Et puisque dans les œuvres magnifiques de Dieu, l'homme pris en compte, puisque Dieu créé l'homme le sixième jour, le sixième jour. Et oui, Matthieu, avant bon Dieu créé l'homme, il mettait à la disposition tous les éléments de la nature, maintenant, tous les éléments physiques, biologiques, et puis intimes aussi, puisqu'il mettait un madame à côté pour combler de joie. Oui, alors on nous prend des textes là, donc on vit en la Genèse, Genèse 2, verset 2 et puis 3, et puis Exode, et chapitre 20, verset 8 à 11, on rappelle nous qu'on fait. Oui. Dieu acheva son œuvre au septième jour, son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et dans Genèse, Exode chapitre 20, les versets 8 à 11, ce texte-là, Kadou, souviens-toi. D'ailleurs, c'est seul commandement qui a commencé comme ça. Oui, c'est seul commandement dans les 10 commandements qui a commencé par souviens-toi. Souviens-toi qui a ramené à la première borne, la première semaine créatrice, le bon Dieu organisait la planète Terre en 6 jours. Il a créé le septième jour. Il a dit, souviens-toi du jour du repos. De même que l'Éternel cessa de travailler pour contempler son œuvre, le texte du commandement te dit, tu travailleras 6 jours, ou quand il fait tout ouvrage, mais le septième jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Texte là, qui ça l'Éternel fait? Le septième jour, il se reposa et il contempla son œuvre. Donc, en deux mots, l'heure où qu'a marché, où qu'a gardé et en pied bois, ça pour pousser vous de ça, c'est un créateur qui fait ça. Ah oui, ça. Le parler, quoi tu en coco, qu'a braille. Et de l'eau, on y crément dedans. Ah, ouais. Ça vous consomme. Donc, là où qu'a vini le sabbat, c'est tout ça. Et pourquoi dit qu'on ça, mais moi, sans créature merveilleuse, hein, ou pas sorti par rapport à descendant macaque ni gorille, c'est ça. Mais on sorti selon l'image de Dieu. Et nous croyons ça tout à l'heure. Donc, le sabbat, oui. Important. Oui. Le sabbat, c'est un signe. À la fin du chemin, qui a montré que la souffrance et puis les épreuves du monde là, qu'il y a enfin aussi. Et c'est pour raison que là, Jésus décidé d'y faire des guérisons le sabbat pour soulager la misère et délivrer les hommes. Et déjà, dans quoi que le mot rédemption pour côté qu'apparaît depuis le début de la Genèse, hein, maintenant, mais nous croyons que le sabbat a joué les deux tableaux là,
la création et puis la rédemption. Et bon Dieu, nous croyons plus tard comment bon Dieu associer la rédemption à l'observation du sabbat, les rachés peuple de l'esclavage en Égypte. Alors pour qui est bon Dieu créé l'homme en dernier, c'est-à-dire dans le processus création? Pour qui créé en dernier? Parce que maintenant, ça te caille incorrect et pas intelligent du tout de la part du grand Dieu maintenant de créer les hommes et puis les panières. Ça c'est la sagesse, ça c'est l'organisation. Ça c'est un Dieu d'organisation. Et c'est même bail là, nous quand l'homme et la femme sont appelés à joindre intimement maintenant pour donner la vie, pour la procréation. Mais avant la procréation, c'est pas l'intimement bail la canne ou quand vous allez chercher berceau, quand chercher les yeux, bibou tout bagay. Ça c'est des bagay qui a préparé avant. C'est oui. Là où on lit des textes là, on dirait qu'il y a une version différente ou en contradiction. Genèse 1, 26 à 29 et puis Genèse 2, verset 7. Nous allons lire ça tout de suite. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur tout ce qui est sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il le créa encore homme-femme. Dieu bénit. Dieu l'a béni et l'a dit, soyez féconds, remplissez, multipliez là sur la terre, assujettez cela, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne comme nourriture tout arbre portant de la semence, et tout cela, tout arbre portant en lui de la semence, et du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, les oiseaux du ciel, et à tout ce qui meurt sur la terre, ayant en lui le souffle de vie, je donne comme toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Verset 31, et voici tout ce que Dieu avait fait, voici tout cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le sixième jour. Oui, alors nous croyons qu'en réalité, c'est un Dieu trois fois saint, on y a fait vie. Et est-ce que vous êtes choqué de savoir que vous créez à l'image de Dieu? Mais non, pas du tout. Et l'image de la ici, c'est qui ça? Parce que nous attendons le monde qui a été diversé, qui a passé à côté, qui a essayé de glisser, mais concrètement. Mais malheureusement, le monde, alors que le texte est clair, mais il est plus susceptible à porter au cœur la théorie qui a dit nous sommes des macaques, nous descendons des macaques. Et il a appris ça grand dans toute université. Mais, oui. Alors, est-ce que vraiment nous sommes bon Dieu? Qui m'en est? Nous ressemblons bon Dieu. Spirituellement, physiquement. Parce que tout le monde est en loi adventiste du septième jour. Physiquement, mentalement et puis spirituellement. Maintenant, pour qui? Parce que l'ensemble maintenant des études de l'écriture qui a montré nous bon Dieu nisier. Il a pleuré, il n'y a la main, il a secoué, il n'y a pied, il n'y a chair. Il n'y a pas, il n'y a pas. Mais le comble de la chose, c'est que, en réalité, bon Dieu manifestait image lui. Mais oui. Emmanuel. C'est soit nous qu'on prend ou bien nous qu'on rejette. Et puis, dans manifestation Emmanuel, là où Jésus vient incarné, bon Dieu, Jésus a gardé nature humaine de chair, pensée, des bras, toute bagaille, maintenant, pour l'éternité, pour vivre avec nous. Et, mais ça, c'est une bagaille extraordinaire. Et là encore, nous avons dit que si il a identifié Jésus, la Bible, comme étant le second Adam, deuxième Adam, qui menait Adam, tu donc, c'est. Mais Jésus l'image. A dit, hein, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. A vu le Père. Mais il aura peut-être connotation physique parce que Jésus était gentil, parce que Jésus était amour, c'est celle-là. Mais c'est physiquement aussi. T'as un cacou, Hélène, on nous bat signification et mot haïtien, mais qu'on pense aussi souligner. Et les deux dimensions et sont en effet inclus dans les deux mots image. Ressemblance, qui décrivent le processus dans la Genèse 1:26, tandis que qu'en hébreu, le mot selem, image, renvoie à la forme concrète du corps physique, et ça très bien. Et ressemblance renvoie à la qualité abstraite qui sont
comparable à la personne divine. Yes. Par conséquent, la notion image de Dieu en hébreu doit être comprise au sens global de la conception biblique de la nature humaine. Très bien. Le texte biblique affirme que les individus humains, hommes et femmes, ont été créés à l'image de Dieu physiquement ainsi que spirituellement, comme le dit Ellen G. White. Très bien. Alors, il y a le théologien et adventiste ou autre pasteur et laïque qui ont dit comme quoi ils créent à l'image de Dieu. Et pour garder tes yeux, pour dire comme ça, non, sans image spirituelle, ils ont refusé de citer Ellen G. White. Quand en l'eau, mon ouais, qui passe à côté, Adam Hébreu, puis il dit comme ça que. Exactement, que c'est pas Paul qui écrit Hébreu. Oui. Mais, trop démagogue. Si moi, son adventiste, nous pas une pièce route pour nous dire qui ça, bon Dieu, révélé par Ellen G. White. Tandis que nous avons fait un grand écart, et puis nous avons pris d'autres cartes et évolution, toutes cartes théologiques qui sont sorties. Pour dire, bon, c'est pas ça. Mais si nous acceptons d'être l'église du Dieu, c'est auquel bon Dieu fait une gratification particulière de l'esprit de prophétie pour amener nous à la grande lumière pour une compréhension, il ne faut pas nous montrer, il ne faut pas nous mettre le drapeau nous en poche, non. Il ne faut pas nous. Parce que là où les savants, là où les théologiens qui n'ont pas la révélation de l'esprit de prophétie limité, Maintenant, en flot de lumière qu'on verse envers nous, et c'est pourquoi nous avons accepté Tati Ellen White qui a dit nous, à Adam Éducation, à la page 9, que lorsqu'Adam sortit des mains du Créateur, il lui ressemblait physiquement, mentalement et spirituellement. En fait, cette compréhension globale de l'image de Dieu, y compris le corps physique, maintenant, est réaffirmée dans l'autre récit de la création qui dit que l'homme devint un être vivant, littéralement une âme vivante. La népète, c'est ce que on lit tout à l'heure là, qui est important. On nous fait dernier point, Et oui, alors, qui responsabilité? Et l'homme tenait à un jardin. Rapidement, tu en finis. Alors, nous avons les trois devoirs maintenant. Le premier devoir de l'homme concerne l'environnement. Et Genèse 2, verset 15. Maintenant, cette nature dans laquelle Dieu l'a placée, cultivée et puis gardée. Genèse 2, 15. Et c'est pour ça, même l'image est là, sous l'intention cherchant madame, pour aller chercher un travail. Oui. Cultiver et puis garder. Ok? D'accord. Nous devons travailler pour le faire fructifier. Donc, Adam n'a pas tenu la oisiveté dans le jardin, mais il tenait maintenant à occuper du bien en bon Dieu. Deuxième responsabilité concerne la nourriture. Nous ne devons pas oublier que Dieu a donné de la nourriture aux êtres humains. Selon Genèse 1, 29, nous lit. Dieu a également dit à Adam de manger librement, etc. Donc, c'était un cadeau, un don de la grâce. Mm-hmm. Et troisièmement, pour raccourcir, nous parlons, la troisième responsabilité concerne la femme. Le troisième cadeau, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et ces trois démarches-là doivent être prises en compte dans la constitution de foyer. Et c'est important, si l'homme prend ces trois points-là, et puis connecté, et puis bon Dieu, il est obligé d'avancer dans la grâce, dans la fraternité, dans l'amour, et puis représenter mon Dieu dignement. Exactement. Mais Gratien, c'est, on laisse ça nous finir, il y a tellement de bagailles pour dire, mais nous pas ça dit toute bagaille dans l'âme de temps, mais gros à fait, à présent, c'est mettre en pratique, et puis accepter ça, mon Dieu, dit nous, en dit dans la parole. Assure. On nous prie. Papa Dieu, nous allons remercier en l'eau, pour parole ou banon, en dit dans Bible en dit dans récit création et pour tirer toute ambiguïté en tête monde pour faire le monde comprendre que si le monde qui a existé c'est grâce au créateur. Amen. Et si nous ni le salut c'est grâce au rédempteur. Et si nous ni consolation c'est grâce au Saint-Esprit le consolateur. Alors guéris nous toutes de toute qualité mal nous ni et puis quittez nous concentrer qu'on nous en les textes Bible, et puis révélation fait par l'église ou l'esprit de prophétie pour nous marcher et puis avancer par la foi. C'est prier moi en nom Jésus. Amen. Amen.